Bonjour et bienvenue dans notre survie du week-end, nouvel épisode, on vient de se lever. Donc je vais vous montrer un peu le rangement que j'ai fait, ça sera assez intéressant déjà de voir ça. Donc nous avons plein de pots. Donc j'ai essayé de les entasser dans un coin et tout ça, mais on peut assez voir lesquelles sont sèches et lesquelles ne sont pas encore sèches. Et après nous avons les pots de lapin, donc on a 6 pots de lapin, j'ai remarqué ça. Et il nous en faut une de plus. Donc on va devoir récupérer du lapin. Parce que je voudrais faire les moufles et la chapka. J'avais déjà parlé ça de moufles et la chapka. Donc il faut faire ça absolument. Et après je voudrais aussi aller... possiblement aller voir si on a un élan qui traîne. Donc on a beaucoup de choses à faire dans cet épisode. Donc je ne sais pas si on va pouvoir faire tout dans un seul épisode. Mais on verra ça. Il faut aussi qu'on fasse de l'eau parce qu'on n'a plus d'eau. On a zéro eau. Toutes les bouteilles sont vides en fait. Ça aussi, la water skin aussi est vide. Après j'ai entassé un peu les choses. Donc vous me direz si vous trouvez ça sympathique. Personnellement je trouve que c'est plutôt cool comme ça de pouvoir entasser les choses. Donc ça donne un petit côté... un peu plus vivant en fait, qui n'y avait pas avant vraiment dans le jeu, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, sinon on est bien équipé, on n'a pas trop de choses sur nous, on est très léger, hein, 20 kg, donc ça c'est très bien. Ouais, je pense qu'on va aller faire du feu déjà pour récupérer de l'eau déjà. Alors, on va aller prendre du bois à l'extérieur. Donc déjà, voilà, on va devoir faire de l'eau, on va remplir nos bouteilles et notre gourde. Et après, nous allons aussi, en même temps, je pense, pendant que ça cuit et tout. Je pense qu'on va faire je crois que c'est la chapka qui est le plus rapide. Donc je pense faire la chapka. Après, pour la viande, on a encore de la viande. Très bien. Donc voilà, ça va être un épisode un peu tranquille, hein, un peu tranquille je pense. Donc on va faire ça comme ça. On va aller faire de l'eau à l'étage. Je rappelle que si vous faites de l'eau à l'étage, que du coup vous allumez le feu en fait. Ça va illuminer l'établi qui est en dessous. Ne me demandez pas comment, hein, mais voilà, donc si vous le faites, faites-le ici, c'est vraiment pratique. Donc on va allumer du feu, j'ai envie de tester un peu avec la lampe, vu que c'est un peu nouveau pour nous. Donc on va tester ça avec la lampe, que 40% par contre, je sais pas trop si on va le tenter plusieurs fois. Sinon on sort une torche et on utilise, ouais. Après je crois que j'ai encore du carburant sur moi. Ouais, on a un accélérant, on va le tester encore une fois. Faire attention à ça, il faut vraiment, l'écorce faut qu'on l'utilise. Parce que je sens que l'écorce on va l'utiliser par erreur. Pour le feu, donc il faut vraiment qu'on en trouve une deuxième et qu'on en fasse une, qu'on les prépare ou un truc comme ça. Ou alors on la jette, genre on la laisse ici quoi. On va faire ça. Voilà. Putain, j'ai failli... J'ai failli le faire. Ouais, j'avais dit. Hein. Oh, mon Dieu. À un moment, je vais bien aller trop vite et utiliser la souche. Hein. Je vais le faire à un moment. Come on, little fire. Come on. On y est. Let's go, on y est. Yes, perfect. Bien joué. Parfait. Alors, hop. Très bien. Hop. Donc ça nous fait 4 litres. Je crois qu'on va devoir mettre plus de bois, honnêtement. C'est vrai qu'on est à peine niveau 1. On est niveau 1, c'est ça. Hein. Que je me rappelle bien, que je dise pas de bêtises. Ouais, on est niveau 1. C'est un peu une catastrophe, honnêtement. Niveau bois. Je m'étais un peu habitué à notre saison précédente où quand on mettait un bout de bois, ça restait 20 minutes. Genre un petit bois, ça comptait pour 15 minutes, je crois. Ou 20 minutes. Donc on doit remplir ça. On doit remplir ça, ça et ça. Donc ça nous fait 4 litres qu'on est en train de faire, donc là ça nous fait 2,
Là, ça nous fait 3. Donc, on a 6 litres à remplir. Donc, ça va. Ça va, ça va, ça va. Donc, on va faire d'abord ça. On va un peu travailler sur la chapka. Donc, un boyau et 3 pots. Ça marche. Hop. 1, 2, 3. Très bien. Une heure. On va travailler un peu sur ça. Voilà, on a fait une heure. On va voir notre feu et notre eau. On bouille dans 30 minutes. 30 minutes. Ouais, non, on peut faire une demi-heure. Par contre, quelque chose que sur les jeux où le temps est important, je trouve ça, ce système de mettre 0,5 heures, je trouve ça mauvais, parce que des fois ça peut induire en erreur pour certaines personnes. Enfin, personnellement, si vous parlez de 1 heure, 2 heures et 3 heures, mettez 30 minutes à la limite. Mettez pas genre 0,5 heures. Je sais que 0,5 heures c'est la moitié d'une heure en fait, donc c'est 30 minutes évidemment. Mais je sais pas, dans les jeux ça se reflète pas très très bien, j'ai l'impression. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qui a été rempli? Donc, on a 2 litres là. Là, 3 litres et 1 litre. Parce qu'il y a tout qui marche très bien. C'est parfait. Donc, on avait dit quoi? 6 litres? On a besoin de 6 litres? Je crois. Je pense qu'on va devoir avoir besoin de plus de bois. On a du bois à l'extérieur, c'est pas très grave. Alors, chapka. Non, mais attends, je veux. Pourquoi je peux plus choisir? Ok, 49 minutes, on l'a arrêté. Pourquoi le jeu me laissait plus choisir combien de temps je voulais faire durer la chose? Bizarre. 3 minutes. Ah! Ah mon dieu! Trop longtemps! Vite, vite, vite! Merde! Ouh, erreur de débutant! Dépêche, 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 dépêche. Après, on a des braises qui durent un peu longtemps, donc normalement, on devrait être bon. Go, 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 go! Ok, braise. C'est bon. 25 minutes, c'est bon. Alors, on va déjà boire. Ah la vache. Bon, on va juste patienter, je pense. Ouais. Voilà, eau potable. Très bien. Attends. Là, on a 2 litres. Ok, on va laisser ça là. 42 minutes, 48 minutes. Là, on a quoi? On a 500 millilitres avec 0,30. Ça vaut pas le coup. On va laisser les 2 litres dans... On va laisser les 2 litres dans le faitout. Ouais, on va laisser les 2 litres dans le faitout. On va prendre des torches. Tout ça pour que le feu s'arrête un peu. S'arrête plus tôt. Pour pas que ça brûle en fait. 35 minutes, 11 minutes, très bien. Ouais, parfait. Ah oui, pendant les aurores boréales, la lumière en fait commence à péter un câble. Évidemment, c'est une aurore boréale. Donc je trouve ça pas mal dans un sens pour nous. J'aurais dû mettre les bouteilles en haut en fait. J'aurais dû laisser les bouteilles en haut. Donc celle-là vide, celle-là 0,30. On va manger. Très bien.
On va poser ça. Bien, et on va boire celle-là, on va la finir. Ah, maintenant il faut penser à tout, hein. Il faut penser à tout. Voilà, on est en pleine forme, on va partir. Quoique, on pourrait dormir. Enfin, quoique non, je préfère qu'elle se fatigue et après on se débrouillera. Alors, je me suis mis accroupi pour sortir. Ah oui, on va finir la chapka. On va finir la chapka, parce qu'il y a encore du feu là-haut. Et puis c'est en aurore boréale, donc on peut crafter. Ouais, très très bien. Voilà, là on commence à avoir du stuff un peu mieux. Non, ça on va le mettre en haut. Bon bah voilà. On a pu faire de l'eau, on va mettre ça là-dedans, parce que je mets les vêtements ici. On a pu faire de l'eau. On a pu faire la chapka en même temps. Donc voilà, ça, il y a de l'eau potable, il y en a 2 litres. Très bien, donc quand on aura besoin d'en récupérer. Ça aussi, c'est un truc qu'on peut faire. C'est faire des fétous. Faire des fétous, en fait, avec de l'eau et les mettre de côté, du coup. Ça, on va devoir le faire pour nous, pour notre survie. Donc on va aller vers la cabane, et puis après on va remonter. Quoique j'ai envie d'aller à la tour en fait, directement, perso. J'ai bien envie d'aller à la tour. Oh la vache, il y en a 3. Peut-être une erreur ce que je viens de faire. Il attaque quoi lui? C'est vrai qu'il attaquait quelque chose. Là. Je suis pas trop sûr de mon déplacement là en fait. Ouais, non, c'est un peu con ce que je viens de faire. Un peu con ce que je viens de faire. Je pensais qu'on pouvait faire le tour en fait. Apparemment non. Donc on va aller d'abord à la tour. Parce qu'on l'a jamais vérifié. Donc d'abord je veux faire tour. Je veux aussi dessiner depuis la tour. Vu qu'on est en aurore boréale, on va en profiter. Elle est où la tour? Elle est là, elle est là. C'est bon. On est au bon passage. Elle est toujours là, lui. Toujours là. Et on y arrive. J'espère qu'on aura assez chaud. On n'a pas pu prendre du bois, rien du tout. Par contre, ce qu'on a, c'est des têtes de massette. Donc à la limite, on peut se réchauffer vite fait avec les têtes de massette. Non, on verra comment ça se passe là. Après, c'est pas extrêmement loin, donc bon. Normalement, on devrait être protégé du froid de toute façon. À la limite, on se mettra dans... Ouh, elle est jolie là, la ligne comme ça. On se mettra dans le lit et tout. Vous croyez que l'autre est toujours derrière nous? Ouais, il est toujours là. On va voir si on peut peut-être pas le tirer dessus. Il s'approche? Enfin, il est proche ou pas? Non, ça va. Depuis les escaliers.
poussière. Faut faire attention aussi sur les escaliers, des fois il peut y avoir des objets. Là on va un peu vite quand même. Yeah, c'est bon, on a chaud. Oh, regardez! Parfait. Parfait, parfait. Oh, on a eu de la chance. Marteau ici. Marteau ici, c'est la première fois que j'en vois un. Première fois que je vois un marteau ici. Non, j'ai déposé tout mon charbon. Dis-moi qu'il y en a. Oh, yes, ça va. Est-ce qu'on peut dessiner d'ici ou pas? Ouais. Yes! Voilà, là c'est pas mal. C'est pas mal. Plus de risque d'hypothermie, très bien. Je crois qu'on a... Ouais, on a que ça à manger. C'est pas énorme. Notre gourde. Très bien. Du coup, il y a quoi d'autre? Ça, très bien. Oh. Bien sûr, le fusil, hein, évidemment. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Alors, on fait voir un peu l'état du fusil. Si on a de la chance. 53%. C'est pas mal. On a une balle. C'est quoi qu'on a trouvé? Attends, on a trouvé une douille? Ah non, c'était une boîte de balles de revolver qu'on a trouvé. Et la balle, on l'a trouvée par terre, la balle de fusil. Ah, d'accord, ça marche. Ah, vous avez vu, on pouvait voir là, une balle à l'intérieur du fusil. Alors que le fusil était complètement vide. C'est un petit détail, mais bon, on pourrait le corriger. On pourrait dormir genre une ou deux heures, histoire de passer l'aurore boréale, histoire de se réchauffer déjà plus vite, parce que déjà on met 3 ans à se réchauffer. Après, alors attendez, il y a aurore boréale, donc ça veut possiblement dire qu'on peut recoudre aussi. Mais je crois pas qu'on ait vraiment grand chose à recoudre. Non, 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 on n'a rien. Non, dormir. Non, je vais être honnête, dormir. Dormir 3 heures. Par contre, il faut de la nourriture. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Attends, on voit strictement rien là. Oh merde. Si je vois rien. C'était plus long à monter que à descendre les escaliers. Le truc c'est qu'il faut qu'on parte, hein. On va pas rester là 3 ans. Hein. Je veux savoir de quel côté. Je sais pas. Ça m'inquiète un peu là. M'inquiète un peu les loups là. Par là.
Alors, ce que j'essaye de, d'aller, en fait, c'est dans la direction du petit lac, en fait, qui est près de la cabane du trappeur, là. Je sais pas si je suis sur le bon chemin. Bon, après, je connais bien la région, pardon. Donc, je pense pas que je vais me perdre. Mais j'avoue que peut-être être sorti pendant qu'il y a... Il y a ça, peut-être une mauvaise idée. Ouais, on va, ouais, je vais l'éteindre parce que ça m'éblouit plus qu'autre chose en fait. Après, je sais que derrière, il y a une clairière en fait. Ou une... Non, pas une clairière. Un endroit où ils abattent les arbres. Je pense qu'on est proche. Je pense que c'est dans cette direction. Et là-bas, il y a des bungalows et des choses. Des petits bâtiments. Mais je vais être honnête. Je suis pas sûr de la direction. Voilà. Ah, je crois savoir où on est. Là, il y a le bâtiment détruit, non? Oh, on sert. Intéressant. Par contre, il va falloir qu'on se bouge, parce que là, on va... Là, on a froid. Il y a des lapins aussi. Il fait froid ou pas? Si on trouve un endroit où se réchauffer, pourquoi pas. Ok, ok, c'est bon, je sais où on est. Est-ce qu'il y aurait du... Non, il n'y a pas de bois ici. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison? On rentre à la maison pour se réchauffer? Bon, on va rentrer. Il nous faut de la nourriture. On n'a plus rien. On va rentrer. J'avoue que là, c'était pas trop... C'est honnêtement pas vraiment la meilleure des idées de sortir avec ce temps-là. Je suis d'accord. Normalement, on est dans la bonne direction. Gaffe au loup. Enfin, s'ils sont toujours là. C'est quoi ça? C'est un cerf. Peut-être que les loups, ils voulaient attaquer le cerf. Ah, les loups de l'aurore boréale. Peut-être qu'il voulait se faire le cerf. Je sais pas. Je sais pas trop. On prend ça. Et on rentre. Oula, c'était pas très très fameux. Bon, on a vu... Bon, on a fait la tour. On sait déjà bien. On a fait la tour. On a récupéré fusil et tout ça. C'est à peu près tout. C'est à peu près la seule chose potable qu'on ait fait. Donc j'avoue que c'est pas des masses super, mais bon. Ouais, je suis pas super content.
pas super heureux de ma prestation, on va dire. Alors, fusil parfaite, on va charger tout ça. Très bien. On va... Comme ça, ça fait un stack de balles. On va en poser 33. Ouais, non, là c'est très bien. On va poser ça. On va poser le deuxième marteau. Ah oui, c'est vrai qu'on a trouvé un marteau. J'avais complètement oublié. Ah, on verra ça après. Je ferai le reste après. On va aller dormir. Histoire de se remettre un peu à fond. Et on va... Je suis en train de réfléchir là. C'est un livre pour faire le feu. Très bien. On verra ça après. On va aller dormir. Et on va ressortir. Alors... La bonne chose, c'est que... Et qu'il y a un cerf pas loin. Donc, à la limite, on pourrait chasser le cerf, j'ai envie de dire. Mais le truc, c'est qu'on l'a fait déjà plusieurs fois. Ah, j'aurais dû prendre une bouteille de mettre sur moi. C'est pas grave. Faut que je prenne l'habitude aussi. Faut que je prenne l'habitude de boire de la bouteille, en fait, quand on va se coucher. Ah non, t'es sérieux? À rester par terre. Du coup, on fait quoi? J'avais peur de ça. Tu vas garder la bouteille. Crafter, on n'a rien à crafter parce qu'il nous faut plus de peau de lapin. C'est vrai que si on avait pris genre 5 minutes, même qu'on est un peu froid, si on avait pris seulement 5 minutes pour ramasser un lapin, j'avoue que... Ouais, j'avoue que là, on serait un peu mieux. Aïe, aïe, aïe. Pas top, pas top, pas top. J'essaie de faire passer du temps. Et j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter. C'est bon. Ça a l'air d'être un tout petit peu mieux. Ok, très bon. Celle-là. On va voir un peu comment ça se présente à l'extérieur. Ça se présente très mal. On va en profiter pour prendre un peu de bois et après on se réchauffe. Oh mon dieu, il n'y a strictement rien. On voit strictement rien, c'est un problème. Mais la tempête s'est un peu calmée, c'est moins fort, donc peut-être que si on passe genre une heure ou deux heures à attendre, peut-être que ça marchera. Mais c'est vrai que j'ai envie de faire un peu d'aventure. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait casser? Du tissu à la main. Pas grand-chose dans ce coin-là. On a la roue, il faut une hachette parce qu'à la scie à métaux ça marche pas apparemment. Table, pas, chaise. Ok,
Ok, c'est toujours le bordel dehors, c'est bien. Si on lisait un peu pour passer le temps, j'ai envie de dire... Lire la pêche? Qu'est-ce qu'on pourrait lire d'intéressant? Le feu, peut-être. Non, mais t'es sérieux, là, le temps? C'est bon. Et normalement, on devrait... Allumage de feu, novice. Ça, c'est cool. Ici. Donc là, on a gagné... 50% de chance d'allumer un feu et feu dur plus 10%. Okay, ça, c'est très bien. Alors, c'est jamais bien maintenant de faire ça. C'est dangereux hein, de perdre du temps et tout ça parce que... comme j'ai dit, on peut pas avoir une réserve de fou d'eau. Ça devient en fait un peu compliqué. C'est un peu comme la nourriture en fait. Même si on peut chasser avec les armes qu'on a et tout. Mais ça devient un peu dangereux, c'est vrai. Parce qu'on peut pas emmagasiner trop d'eau. Donc à chaque fois, il faut en créer. Allez, on sort. On a un peu de bois. Il y a le livre que je vais virer. Ok, on a notre cerf ici, mais j'ai vraiment pas envie de... On n'est pas vraiment après le cerf, en fait. Allez, mais ce qu'on pourrait faire... Ah, ce que j'ai pu faire, c'est lui mettre une balle dans la tête, en fait. Et après, m'en occuper. Mais bon, si jamais on... Ah bah attendez. Vous voyez là? Merde, maintenant il est sur nous, j'aurais pas dû me lever. Honnêtement, je pense même pas qu'on va pouvoir le semer. Parce qu'en fait, je voulais qu'il attaque le cerf et après, bon, on finit le loup, hein, comme d'habitude, on connaît la technique. Mais j'avoue que le cerf, en fait, s'en est aperçu très vite. Du coup, il est parti très vite. Le loup, il a pu strictement rien faire. Ah, c'est bon, on l'a sonné, je pense. Fou, ça a eu un peu de... La récupération de bois, in extremis. Après, on a un élan. Enfin, on a un élan, pardon. Si jamais on trouve un élan, on peut prendre le fusil cette fois. C'est vrai que je suis resté avec le revolver, mais... parce que j'ai pas vraiment l'habitude des armes à feu, en fait, du coup. Mais là, on pourrait plutôt utiliser le fusil. Le cerf. Vous voyez ce que je veux dire? On va continuer dans cette direction. Ça pourrait être intéressant. Oh, attends, on voit pas grand chose. Ok, on est au lac. C'est là où je voulais aller, c'est parfait. Ok, donc là on fait attention. D'abord je vais aller me réchauffer. Étang sans nom. Ouais, parce que je tiens l'axe en même temps.
Donc là, on voit, déjà, on voit pas grand-chose, j'ai envie de dire. Donc si jamais on voit un truc bouger, alors vous criez. Et vous courez très vite. Parce que là, on est en territoire ennemi. Hein. Là, on est vraiment en territoire ennemi. Ok, les maisons sont là-bas. Enfin, je connais un peu, même si on voit pas trop. C'est vrai que j'avoue que c'est un peu chiant, même pour moi. J'aurais bien voulu avoir la lampe qui marche. Après, la lampe à fuel, elle est pas extrêmement efficace, j'ai l'impression. Comme j'ai dit, elle éblouit en fait plus qu'autre chose, je trouve. Je pense que ça, c'est un problème. De le fait qu'elle éblouit. Mais bon. Ok. Donc ça va, on a perdu quand même pas mal de vie, mais on va se débrouiller. Je pense pas qu'il y ait de la lumière ici. Donc... Très bien. Oups, pardon. Bonjour Bob. As-tu vu un élan ou des lapins? Non. Pas du tout. Strictement rien chez toi, c'est bien. T'es sérieux là, mec? Strictement rien chez toi. On pourrait prendre ça et récupérer du poisson. Bon. On va faire ça. On va dormir du coup, encore une fois, hein. On va dormir pour se réchauffer. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? On va manger ça. C'est embêtant, ce système. Après, normalement, enfin, avec de la chance, il y a peut-être des lapins dans les alentours. Donc, on va voir. On va voir un peu. Ok. Ah, il fait un peu plus clair, donc peut-être que à l'extérieur, il fera aussi un peu plus clair. On va voir. On va se baisser, on y va. Je pense qu'il y a des lapins. Enfin, c'est possible qu'il y ait des lapins pas loin. Donc, il nous en faut absolument. Lapin ou élan, cerf, n'importe quoi. On n'est pas venu là pour rien. Là, on a un bon endroit en fait. Pleine tête. Oh. On va re-rentrer, on va poser le lapin. Pour éviter du gel. Et le pied de biche aussi. C'est lourd. Ah, t'es pas fatigué. On peut faire ça. Faut qu'on se réchauffe en fait à chaque fois, ça qui est un peu embêtant. Ok, on a le lapin si jamais on a faim. Après on a encore 10 massettes. On est reparti. Ok, ça nous fait un lapin. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu le prendre avec nous, le lapin? Je sais pas trop, en fait. Si on a tellement de bois, on peut faire du feu un peu n'importe où. Il y a des trucs qui bougent ici.
je vois rien qui bouge. On a l'air d'être safe. Là on a un cerf en plein milieu. On pourrait faire un feu à côté du cerf. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? C'est quoi ça? Faire de l'eau. Faire cuire la viande du cerf. Et faire le lapin. Ok, bien. Y'a rien d'autre. Oh merde, ok. Ok, ok, ok. On a un ours. On a un ours. Ok, on va tenter un truc. Oh, so cold. On va tenter un truc. Possiblement que je le regrette. Hein. Je vais peut-être le regretter, je sais pas, mais on tente. Allez. On l'a déjà fait une fois par erreur. On va essayer de le provoquer cette fois. Donc, encore une fois, le coup, on se protège du avec le feu. Et on se fait l'ours. J'aurais dû vraiment prendre le fusil. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de boire, il est en train de manger, je crois. Il est en train de manger. Manger, je sais pas quoi, mais il mange. Il nous faut de l'eau un peu. Tac. Tac. Alors, est-ce qu'on le fait de loin d'ici ou pas? On l'a touché. On pourra le suivre à la trace. Alors pourquoi j'ai fait ça? Alors je vais être honnête, je suis pas trop sûr de pourquoi lui avoir tiré de l'eau comme ça. Je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il va mourir de saignement, en gros. Voilà, c'est ça mon idée. C'est qu'il meurt de saignement. Et surtout parce que j'aime bien tirer avec le revolver, honnêtement. Voilà. Voilà. C'est mon explication. C'est juste ça mon explication. On a le vent qui se lève. Super! Très bien. Ah mon dieu. On a récupéré l'eau, ce qui est bien. À la limite, j'ai envie de dire qu'on devrait avoir deux gourdes sur nous, mais je suis pas sûr. Bon bah du coup hein, on va aller prendre le lapin. On va aller prendre le lapin.
Ah, on aurait dû le garder sur nous en fait. Le ressortissant. On va peut-être dormir histoire de se réchauffer. C'est embêtant parce qu'on a quand même utilisé pas mal de bois et tout. Là c'est vraiment de la perte pour ce feu. C'est vraiment vraiment de la perte. On a d'autres lapins, je suis en train de me dire. Peut-être qu'on va ramener plus de lapins. J'ai envie d'en ramener un peu plus. Ça aussi le pied de biche. On va déjà le recycler. On va faire à la main. On va faire tout. Très bien, ça on va pas le manger. Ok, carcasse 4, très très bien. Dormir 2 heures. Ça va, ça se passe bien. On va dire que l'épisode est tranquille. C'est pas transcendant ce qui se passe, mais... enfin voilà, ça se passe quoi. Ok, aurore boréale. J'aurais bien voulu un truc qui bouge un peu plus, honnêtement. Mais je vais vous dire, mais bon, c'est comme ça, hein. Des fois ça bouge pas trop. Ouais, c'est parti. Ce qui m'embête le plus, c'est le feu qu'on a perdu en fait. Tout le bois qu'on a perdu. J'aimerais bien pouvoir aller dans ce menu pendant qu'on puisse courir encore. Vous êtes bloqué. Oh, regardez qui est devant toi. Vous avez vu en face? Ça, ça. Là, on pourrait faire du feu, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Complètement malade. Complètement cinglé. Il nous a vu? Oh oui, il nous a vu. Deux balles. Ça fait 2 balles. Allez, on course. Tais-toi! J'ai cru l'entendre revenir en fait sur les pas. Désolé d'avoir gueulé. Elle m'énerve des fois. Elle est là. Je l'ai eu. Ok, cool. Vous avez vu ce que dans les aurores boréales comme ça, le truc en fait est très agressif. Ah, du coup il va s'enfuir en fait, mais pendant un tout petit moment. Et après il revient. Ok, ça c'était pas prévu par contre. Casse-toi. Casse-toi. Okay.
feu. On a assez de bois, c'est pour ça que je regardais en fait le nombre de bois qu'on avait dans l'inventaire, mais on a... Dépêche. Damn it. On va avoir un problème avec lui. Aïe. Tu veux faire sale con. C'est bon. Ouais. Oh la vache. Ça devient du sport, j'ai envie de dire. Ça devient du sport. C'est assez intéressant, c'est marrant, ça change. Deux heures de feu, très bien. Ça devrait être assez chaud, normalement. On va sortir... ça pour de l'eau. La fourrure, 30 minutes. Ouais, la fourrure, on va faire la fourrure. On va recharger notre revolver aussi. Très bien. Ça va, on tire, hein. J'ai envie de dire, hein. Ça y va quand même, hein. Très bien. Au potable, on va faire ça. On va prendre la viande, on va la faire cuire. 50 minutes, 28 minutes. On va recycler ça. Donc on a pris la peau. Je voudrais prendre les boyaux aussi. Okay, très bien. Faut qu'on fasse du petit bois. Parce qu'on va plus en avoir. Le petit bois, ça va nous permettre... Enfin, les fagotins, ça va nous permettre de faire chauffer un peu le feu. Si jamais il fait trop froid. On fait 9 degrés, là, ça va. 15 minutes, très bien. Plus ça à la 6, pas grave. Alors on a des caisses, hein, les caisses pour réparer les objets, là, pour réparer les... pour réparer... Attendez, parce que là je vois plus rien. Ça c'est un peu chiant avec les pas en fait de nos... On voit plus rien par terre. 30 minutes, 9 minutes. 9 minutes, 30 minutes, ok. J'étais en train de dire quoi? Oui, on a des caisses pour réparer tout ce qui est objet. Tout ce qui est scie à métaux et tout ça. Donc, ou alors la lampe aussi, on peut la réparer. Donc ça, ça va. On a une rouge et je crois qu'on a deux bleus maintenant. En tout. Ouais, non, ça va nous faire deux bleus et une rouge, ouais. Donc ça va, c'est tranquille. Ah, j'ai pas de charbon. Pour une fois qu'on a des aurores boréales, j'ai pas de charbon. Ça, ça fait plaisir aussi. On va manger ça. Très bien. Ça va, on se débrouille. Hein. On se débrouille. C'est un peu spécial parce que c'est un peu plus action et tout ça.
qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dire, c'est un peu plus mouvementé. Mais ça va, on se débrouille. Hein, on est... J'ai plus de viande à faire cuire. Non. On va prendre le deuxième boyau. Encore une fois, j'aimerais bien aussi prendre la viande, mais comme j'ai dit, ça sert à rien pour le moment. C'est un peu du temps perdu, donc on va juste pas la prendre, c'est pas grave. Ah, vous comprendrez. Hein. Enfin, vous comprenez pourquoi. Faut le dire au présent, vous comprenez pourquoi on prend pas la viande maintenant. On peut pas la manger, je vais pas risquer de la manger. Après, je sais que oui, ça fait beaucoup de viande. Je sais. Ouais, non, ça ne nous servira à rien. Pour le moment. On est à peine... On est combien en cuisine? 3 ou 4? 3, je crois. Ouais, bientôt 4. Quand on sera genre 4,5, là, oui, on pourra prendre tout plein d'ours et tout ça. Et on ira... on essaiera de forcer un peu la montée du niveau, mais pas pour le moment. Pour le moment, ça... Ok, on a perdu un peu d'eau potable parce qu'on avait les récipients pleins. C'est pas grave, c'est très bien. Alors maintenant j'ai envie d'aller à l'ours. Là on a des lapins là devant. Aller à l'ours pour qu'on récupère la peau de l'ours. Merde, on aura fait peur. Dépêche que j'ai ma torche qui va s'éteindre. Yes. Parfait. Parfait. On fait tellement de choses en même temps, c'est un peu incroyable. genre on fait le loup, on fait l'ours. On fait un feu, on prend la peau, on retourne vers l'ours, on va refaire un feu, on reprend la peau. C'est... Pouh la vache. Ah c'est... C'est chaud quand même. Enfin c'est chaud. Non il fait froid mais... Ça en fait des choses en même temps. Du feu, 75%. Et ça marche bien, honnêtement, encore une petite parenthèse par rapport au mode et tout ça. Je pense que ça va, je me suis habitué là. Genre avec l'eau et tout ça, donc maintenant on sait comment gérer notre eau. Comme j'ai dit, peut-être que les 3 litres là, c'est peut-être pas assez, j'ai envie de dire. La gourde à 3 litres, c'est peut-être pas assez. Il nous faudrait peut-être 2 gourdes. Mais ça fait quand même assez lourd. Ça fait 3,50. À chaque fois, il y a 50 en plus, en fait. Parce que là, c'est 1 litre pour 1 kg. Là, c'est 3 litres pour 3,5 kg. Donc, c'est lourd. Vous voyez? Donc, c'est un problème. C'est un problème. Mais non, mais ça va. On s'habitue avec l'eau et tout ça. Non, moi, je trouve que ça se marie bien. Par contre, le feu, il est pas assez fort. Ça va. Ce sera un peu mieux quand on aura plus besoin de fagotin pour faire les feux. Comme ça, on en fera juste pour augmenter la chaleur. On va encore un peu augmenter la chaleur du feu.
qu'on se réchauffe un peu plus vite en fait. Quoi ce bruit? Je voudrais d'abord recycler peut-être ça à la limite. Ou alors on fait... Je sais pas. Ça c'est 13 minutes, c'est pas énorme. Très bien. Merde. Je m'en fous plus. Non, on va pas pouvoir. 24 minutes, c'est combien la peau? Oh, ça va. Ça passe, ça passe. Là, la viande devrait pas brûler. Okay, très bien. On a un temps un peu pourri. Plume. Plume. Ben, j'avoue que au final, on fait tout ça au revolver, quoi. Ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Ça se passe plutôt bien. Pas besoin du fusil. Pour ce que... La façon dont on joue, on va dire. La façon dont on fait les choses, pas besoin du fusil. Ah, donc déjà, ça nous enlève une épine du pied, parce que c'est vrai que le fusil est très très lourd, donc ça c'est un problème. Donc on a 3, on a ça, ça et ça. Très bien. Ça nous fait une belle sortie, hein, je veux pas dire, mais ça nous fait une très très belle sortie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On a encore une heure de feu. On est à 4. On va faire ça. Là maintenant je peux plus dire, ouais c'est jamais perdu de de faire du de l'eau. Là je peux plus le dire ça. Oui si c'est perdu. Alors on pourrait prendre des steaks. Parce que les boyaux, je pense que ça va. À la limite, on pourrait prendre des steaks et les faire cuire. J'avoue. J'avoue que là, peut-être, oui. À la limite. On en prend quelques-uns, on les mettra de côté. Et on les cuira à l'occasion. Alors si je mets ça là, comme ça. Voilà, on va les laisser comme ça, de l'eau bouillie. Il nous reste quoi, 1h10? Ah mais là il faut quoi, 1h? Ouais. Il nous faut beaucoup hein, pour... Attendez, peut-être qu'on peut... Non, 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 on va détruire une torche. Parce que comme j'ai dit, un petit bâton, c'est 2 fois le fagotin en tant que durée. Donc là, il nous faut de la durée. Donc on fait ça. Juste pour faire les deux steaks, à la limite. Le temps a l'air d'être ok. Fait froid quand même, hein. Vous avez vu qu'on se réchauffe pas très vite. Hein. Après, qu'est-ce qu'on prend des boyaux en plus? 32 minutes. Non, on peut faire ça. Genre un boyau en plus, ça ira plus vite. Parce que j'ai pas envie de passer 3 heures ici non plus. 32 minutes. Bien. Encore 40 minutes de feu. Faire attention de ne pas bouffer ça. Vous avez vu, on est à peine cuisine, je crois, 2. Non, 3, 3. Et ça fait déjà 1035 ans. Je crois qu'on sera cuisine 5, ça fera des... 1200, je crois, de calories. Donc, on sera tranquille. On peut rester encore un petit moment là.
va prendre un steak. Et après, maintenant on se casse, on va à la maison. Maintenant on se casse. Peut-être encore un. Juste le temps de... Juste le temps de faire le feu en fait, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, très bien. On va boire. Maintenant on prend ça. Voilà, on a perdu de l'eau, mais ça c'est au max. On a récupéré les deux trucs, ça va, ça marche bien. On prend ça. On prend une torche, on va l'allumer. Ok, c'est parti, on se casse. Alors je crois que vers ce côté-là, on a la cabane du trappeur. Donc c'est pas très loin et c'est pas vraiment problématique pour y aller. Donc là, on a la peau de lapin, on en a même deux. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire les moufles. Oh, très très bien. On a de la viande, non. De la viande, non, parce que la viande de lapin, on l'a bouffée. Déjà. On a des steaks d'ours. Bon, les steaks d'ours, comme j'ai dit, bon, on les a pris vraiment parce que voilà quoi. Et merde, putain, mais. C'est infesté de loups ici. C'est abusé. Ah merde, c'est par là du coup. Attends, c'est quoi ? La maison, là, elle est là. Hein. Attends, je suis perdu. Ah, si, elle est là, la maison. Désolé, lapin. Ouais. Je sais pas quoi dire. Est-ce que ça valait le coup? Je sais pas. Est-ce que ça valait le coup d'échanger une balle contre un lapin? Je sais pas trop. Non, moi c'est fait. Faudrait qu'on fasse gaffe quand même à nos balles, ça va vite. Ça va assez vite. C'est bon, on y arrive. Non, on a toujours le cerf. Le cerf, il faut qu'on le chasse après. La prochaine fois, je pense.
Nous sommes rentrés. Nous sommes finalement rentrés. Ouf, ben, c'était du sport. J'avoue que c'était du sport. Donc on va mettre ça pour le moment. On va déposer la viande d'abord. Alors ce que je vais faire, je pense que entre temps, je vais faire comme d'habitude. Maintenant, je vais prendre un peu l'habitude de faire ça. On va décorer un peu. On va décorer un peu, genre placer les nouveaux objets et tout ça. Je le ferai entre les deux épisodes. Et puis après, la prochaine fois, donc on... Bon, on n'a pas trouvé d'élan, mais on a trouvé un ours en plus. Donc ça nous fait deux pots. Donc on pourra faire le sac de couchage à la limite. Ou alors, on fait le vêtement. Je sais pas trop. Je sais pas. Enfin, de toute façon, il faudra les... Oui, il faut les outils, de toute façon. C'est pas pour maintenant, on peut choisir plus tard. On peut décider plus tard. Donc ça. Donc 5 boyaux en plus. Très bien. On a ça. Un bâton en plus. Donc notre peau, notre nouvelle peau. Ça nous en fait deux, c'est très bien. Ce qui est bien, c'est ça, c'est si jamais vous avez la possibilité d'avoir des pots d'élan ou d'ours, en fait, rapidement, c'est bien de les avoir, ça vous permet de les faire sécher, parce qu'elles mettent tellement longtemps à sécher. Je crois que c'est 15 jours, 10 ou 15 jours. 12 jours, c'est 12 jours en intérieur. Et l'élan, ça doit être 12, pareil, ou alors 15. Donc c'est extrêmement chiant, ça je ferai les lapins après. Donc ouais, c'est vraiment le plus chiant, c'est de les faire sécher. Donc après, on a récupéré une boîte. On a récupéré quoi d'autre? Ça, un pied de biche. C'est pas vraiment utile, mais c'est là. La peau, on va la mettre là. On a tiré pas mal de balles. On a tiré 6 balles en tout. C'est pas mal. Ça, on va le jeter, ça. On va pas le manger, parce que sinon c'est trop dangereux. On le mangera quand on aura cuisine 5. Hein. Pas avant. Mais ouais, on va aller dormir. Et ça nous a fait notre petite aventure. Moi, après, je vais décorer tout ça. Et puis voilà, quoi. On a fait notre... Ça c'est bien ça, qu'on puisse garder l'eau comme ça. C'est vrai que j'y ai pensé juste maintenant dans cet épisode de le faire. Et je pense que c'est ce qu'on va faire dorénavant. Mais ouais, je trouve que c'était une belle aventure. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est plusieurs bouteilles. En fait, le mieux, vu que ces bouteilles, elles n'ont pas de poids. En fait, le mieux, c'est d'avoir plusieurs bouteilles de litres, de 1 litre par exemple. Au lieu d'avoir une seule gourde, parce que la gourde, comme j'ai dit, elle fait 0,50. Alors que les bouteilles, non, elles pèsent pas de, elles ont pas de poids, au final. Ça aussi, ça, faudrait que le modeur change, fasse 0,30 peut-être, un truc comme ça, pour une bouteille d'eau, la transporter. Genre 30 grammes, je sais pas, et ça serait 50 grammes, un truc comme ça. Mais ouais, mais après il faut les trouver, les bouteilles d'eau, voilà, c'est ça la contrepartie, c'est qu'il faut aussi les trouver. Parce que là, les bouteilles, on peut pas les fabriquer de... C'est pas de la magie. Et ouais, donc faut qu'on se débrouille à en trouver d'autres. Mais si jamais on en trouve d'autres, oui, on prendra plutôt des bouteilles que ça. Mais ouais, non, c'est vrai que on va faire water skin et on va garder ces deux bouteilles sur nous. Ça nous fait 5 litres d'eau. Ouais, enfin, je sais pas. On verra. Je suis encore en train de m'habituer un peu. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous aura plu. Le début s'est passé tranquillement, le milieu c'était un peu chiant, j'avais un peu peur que rien ne se produise. Mais vers la fin, entre le loup, l'ours et tout ça, l'aurore boréale et tout ça, c'était vraiment cool. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, faites attention à vous, ciao ciao.